Ce jeudi 8 juin, Martin Fourcade, quintuple médaille d'or aux Jeux Olympiques au biathlon, s'est confié avec émotion à propos de sa rivalité avec son grand frère Simon Fourcade, athlète dans la même discipline sportive, qui a longtemps impacté leur relation dans en aparté. Martin Fourcade revient avec émotion sur sa relation avec son grand frère Simon Fourcade qui n'a pas toujours été facile. Ce jeudi 8 juin, le champion de biathlon était l'invité de Nathalie Lévy dans l'émission En aparté durant laquelle il est revenu sur sa carrière de sportif de haut niveau ou encore sur ses nouveaux projets. Pendant cet entretien, la journaliste l'a questionné à propos de sa relation parfois difficile avec son frère Simon Fourcade, de 4 ans son aîné et également grand sportif dans le domaine du biathlon. Pour cela, elle a repassé une séquence du documentaire Face à Face, une histoire de champion diffusée sur Canal+ en mars dernier dans lequel Simon Fourcade s'est confié à cœur ouvert sur leur rivalité qui s'est installée à cause du sport. Il y a tout qui a changé, Martin Fourcade, ému, revient sur sa relation conflictuelle avec son grand frère pendant le sommet de sa carrière dans ma tête, je voulais marquer l'histoire à la manière dont Martin l'a fait. Et quand j'ai vu en fait que c'était lui qui allait le faire et que j'allais avoir un peu plus de mal derrière, ça a été dur à accepter pour moi, a confié Simon Fourcade au footballeur Robert Pires présent dans le documentaire. Il a également expliqué qu'à cette époque, ils se parlaient encore, mais que leurs échanges étaient froids et qu'ils essayaient de se croiser le moins possible. Martin Fourcade est alors revenu sur la manière dont ils ont réussi à dépasser cette rivalité au fil du temps et surtout de s'exprimer à ce sujet dans En aparté. Ça a pris du temps. Il faut savoir qu'à l'époque, on était en colocation tous les deux quand ça se passe, sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 alors que son frère est bien placé dans le classement mondial et fait un parcours décevant, DLR le retour à la maison a été compliqué à vivre. En une course, il y a tout qui a changé, a-t-il confié. Je suis tellement heureux qu'elle ait disparu, ému, Martin Fourcade parle de sa relation actuelle avec son frère. Martin Fourcade a expliqué qu'ils en ont tenté de parler de ce malaise au début, mais que cela a malheureusement eu du mal à passer. Simon se plonge dans une sorte du mutisme. Point, je prends conscience que la solution vient de lui et pas de moi et que je dois faire ma vie. Ce n'est pas facile à assumer. Mais en tout cas, c'est un immense bonheur que ça ait pu s'apaiser et qu'aujourd'hui avec Simon, on ait une relation extrêmement complice. Et qu'on ait appris peut-être même à aller au-delà de ce qu'on était, a-t-il continué. Avant de conclure avec émotion, j'aurais du mal aujourd'hui à traverser tout ce qu'on traverse sans pouvoir le partager avec lui en sachant qu'il y a cette rancœur. Je suis tellement heureux qu'elle ait disparu. En aparté, à retrouver en intégralité sur l'application MyCanal.